Eh bien bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas sur le jeu, mais comme vu que il y aura une prochaine match qui va arriver, dans un peu moins d'un mois je pense, on va donc commencer à prendre un rythme assez conséquent, parce que là, ça je vois que c'était une vidéo sur les 3-4 semaines, donc c'était quand même assez faible, mais c'est parce que on avait terminé la série. Là, ça va reprendre un peu plus soutenu. Et donc, comme d'habitude, hein, donc là, je vais faire des Korogus. Et ensuite, je vais faire quelques niveaux. Et on va commencer par tirer à faire le niveau de Urbosa, du coup. Donc, on va aller ici. Urbosa, la chef Gerudo. Donc, il me manque beaucoup de noix Korogu. Donc, c'est parti, hein. On va garder cette team, ça me semble pas mal. Partir au combat. Donc le premier se situe pas du tout par là, et se situe par là-bas. Donc le premier théoriquement se situe par là-bas. Donc c'est vrai que c'est pas un endroit qu'on va aller souvent pas à aller, mais il se situe vraiment par là-bas. Hein. Donc c'est par là, je crois. Enfin, quelque chose par ici. Il se situe par là normalement. Faut juste que je le trouve. Faut juste que je le trouve. Attends, il me dit que c'est par là. Il me dit que c'est ici. Oula. Déjà, si je commence à galérer, ça va pas le faire. Il n'y aurait pas une plante qui serait cachée que je vois pas là. Ah ok, si j'ai compris. J'ai capté. J'ai capté. Alors, comment on fait? Hop. Voilà. Voilà. Nickel. Ok. Donc, premier Korogu. On va même d'ailleurs même pas se quitter d'ailleurs, parce que le deuxième est juste ici, et vraiment juste à côté. Et quand je dis juste à côté, il est par là. Alors je sais pas si je l'ai déjà récupéré, mais il semblerait qu'il soit par ici. D'ailleurs, voilà. Ok, nickel. Ok, donc il est censé avoir un Korogu pas très loin. Genre par là normalement. Je suis pas sûr de l'avoir récupéré, ce bordel. Mais genre par ici. Genre peut-être dans ce recoin, je sais pas. Ah, juste derrière, ok, d'accord. Donc c'est par là. Ah non, c'est pas par là, non. Non, non, ah si, là. Voilà, hop. Je le récupère, mais ok, on a vu qu'il y a un deuxième par là-bas, ok. Censé y avoir un Korogu ici. Ou juste à côté. Censé y avoir un Korogu pas loin. Mais genre vraiment pas loin. Genre il me dit qu'apparemment c'est ici. En fait. Juste après la cinématique. Qu'on va passer d'ailleurs. Hein. Donc me dit qu'il y a un Korogu juste derrière. Oula 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 oula. Oula 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 là. Me dit qu'il y a un Korogu. Me dit qu'il y a un Korogu ici. Hein. Vraiment, il y a no joke. Hein. Alors peut-être que c'est moi qui regarde mal. Hein.
Peut-être par là. Ah, par ici. Ok. Ok, nickel. Ok, donc, semblerait avoir un Korogu près du cactus. Ah, ici. Ok. Et le dernier, on l'a déjà vu. On va y aller direct, d'ailleurs. On va y aller direct. Ensuite, on reviendra faire la fin de niveau. Mais ça, je le ferai moi-même. Mais vu qu'on peut direct y aller, autant tous les faire tout de suite. Hein. Donc, le dernier, on l'a vu. Il était par là-bas. Tout par là-bas, d'ailleurs. Donc hop. Arrêtez-vous. Voilà. Voilà. Et voilà, on a tous les Korogu, plus qu'à terminer le niveau. Bon, j'ai loupé un Korogu qui est juste derrière. Voilà. Donc voilà, donc là c'est vraiment la fin du niveau. Ok, donc on a terminé du coup ce petit niveau. Ça m'aurait pris du temps quand même. Clairement, c'est le plus long que j'ai fait depuis le début. Que j'ai fait les Korogu. Mais bon, du coup, on a fait ça. Oh on avait dit qu'on ferait ce niveau. Du coup, on va le faire. On va clairement le faire. Niveau conseillé 62. On va donc enlever ça et on va mettre Link. Et ensuite, ça me semble plutôt pas mal. Hein. On va juste inverser ça. Voilà. Et partir au combat. Peut-être un effet d'expérience, peut-être. Je sais pas si on a. Il n'y a pas d'expérience. Il n'y a pas d'expérience. Bah, c'est pas grave. Hein. On va rien mettre. Mais on avait dit qu'on ferait les niveaux. Dans l'ordre, enfin, moi surtout je l'ai dit. Ok, vers le laboratoire royal. C'est vrai que j'ai toujours mon hallebarde, hein, moi. Parce que j'avais fait mon entraînement. Est-ce que c'est grave? Pas du tout. Hop, le moblin. Oula, je prends cher quand même. Hein. On va quand même faire gaffe. Hein. On va faire gaffe quand même.
Hop. Hop, 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 hop. Après, j'ai une arme qui est un peu pourrite. Donc, autant vous dire que ça va être coton hein, quand même. Et j'ai oublié de changer mon arme. Hop. Attendez, mon arme a fait combien déjà? Elle fait 42. En vrai, ça va. En vrai, mon arme, elle fait 42. C'est ok tier. C'est ok tier. Attendez, on va quand même récupérer le coffre. Pour les petites choses qu'on a. Voilà. Bon. Allons en bas. Et on va récupérer le coffre là-bas quand même. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Hop, 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 hop. Récupérons. Ça nous fait un peu un petit peu de thunes. Hein. Ah, on va utiliser les baguettes. Attends, comment on utilise les baguettes déjà? Donc là c'est glace donc c'est feu. Voilà, hop. Donc, on n'utilise quasiment jamais de ces merdes. Donc autant utiliser les maintenant hein. Voilà. Bon, attends, il y a un deuxième truc. Et des Zelda à fuir jusqu'à son point de destination. Oui, 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 d'accord. On capiche, on va récupérer. Je comprends. On va aider Zelda à faire à son point de destination. Faut juste tuer tous les ennemis quoi. Voilà. Hop 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 hop. Vous mourrez. Tu viens. Voilà. Ah non. Ah bah non, elle vient pas. Bon. On va tuer tout ça. On va même aller ici. Comme ça sera plus rapide. Hop, on va se mettre ici et hop. Voilà, nickel. Vas-y. Voilà. Hop, 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 hop. Ok, on l'a bien entamé. Ok, bon. J'ai raté. Mais quoi? J'ai failli utiliser le truc là. Pop, 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 pop. Coup point faible. Voilà, nickel. Bon. On avance plutôt bien. Hop, voilà. Donc là, le Korogu est là. Bonjour Korogu, comment tu vas? Bon, il fait rien. Il fait rien. Ok, donc là, on a un gardien, il faut fuir. Voilà, c'est le seul truc qu'il faut faire. Hop, on récupère des petits... Fuir le gardien tout en procédant Zelda. Ok, je protège Zelda. Vas-y. Hop. Éviter le combat contre le gardien. Oui. On capiche. Pop. Bon, ça c'est quand même un niveau assez simple. Hein. On est arrivé au point de destination. Bon, là, c'est une cinématique qu'on peut donc passer.
Et on peut se fight peut-être? Ah non, on peut pas se fight. Non, 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 mauvaise idée, mauvaise idée, mauvaise idée, mauvaise idée. Voilà. Bon. Il faut aller aux deux points de ralliement, je peux dire comme ça. Aux deux points où il faut taper tous les trucs là. Donc on va esquiver tout ça. Ça sert un petit peu à rien. On va juste faire quand même les tours. Parce que j'aime bien faire les tours. Ça c'est un peu, ça fait donne un petit peu d'expérience. C'est plutôt cool d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pas ici d'ailleurs qu'il faut qu'on aille pour faire les tours. C'est plutôt vers le poste, ici. C'est plutôt vers ici qu'il faut faire. Hop, 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 hop. Le mini-boss va apparaître ici. Donc, autant aller ici direct. Hop, 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 hop. Hop, 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 on gagne des petits rubis. Hop, 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 voilà. On casse tout, hein. On fait les choses bien. Aujourd'hui, on fait les choses bien. À part que j'ai quand même pris l'albarde au lieu de l'épée de légende. Mais c'était parce qu'il y avait une mission avec Link où il fallait prendre l'albarde. Et j'ai oublié de changer. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Mais bon. Ça aurait été quand même beaucoup mieux avec l'épée de légende. Voilà. Hop. On a pris cette magnifique petite tour. On va donc pouvoir se friter avec le mage électrique. Le mage électrique qui est juste ici, là. Enfin, le sorcier, mage. Bon, bref. On comprend tous. Sorcier, voilà. Sorcier. Le sorcier électrique. Voilà. Hop, une petite bombe. Voilà. Ça le tape, ça le calme un petit peu. Hop, 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 hop. Voilà. Il est décédé. On va récupérer. Je suis déjà full. Je suis déjà full. C'est un mâche-feu qu'il faut. Parce que vu que j'ai utilisé du feu... Il va falloir que j'accupère un peu avec un mage feu. Hop, 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 hop. Voilà. On essaye de dégommer le moblin. Je fais quand même beaucoup moins de dégâts. Hein. Ça se voit que je fais quand même beaucoup moins de dégâts. Par contre, ça a une grande portée. Ça c'est plutôt pas mal par contre. Ça a plutôt une grande portée. Voilà, nickel. On va activer ce petit gardien. Activer. Voilà, nickel. Maintenant, on va passer au gardien suivant. On va plutôt passer par Impa. Impa est beaucoup plus proche, donc autant y aller, hein.
Vous pouvez désormais contrôler Zelda. Oui. On connaît. Je connais. Hein. Donc hop. Hop. Voilà. Ah, ça va quand même beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide avec Impa quand même. Hein. Hop. Voilà. Et j'ai eu chaud quand même. Hein. Et j'étais à deux doigts de me faire toucher. Hein. Hop. On continue à attaquer, voilà. Hop, coup point faible. Et voilà. Bon. Du coup, ça me semble pas mal. Voilà, nickel. On va activer l'autre petit gardien. Et succès. Voilà, nickel. On va donc se prendre notre gardien dans la face, c'est ça? Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je... Il faut que je le ramène, le gardien. Parce que le gardien est en bas. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Le gardien déterré est prêt à attaquer. Voilà, nouvelle objectif, attirer le gardien. Voilà. Nickel. Petit gardien. Hello. Allez, viens. Coucou, viens là. Petit coucou. Voilà, viens. Voilà. Ah super. Il m'a interrompu dans ma cinématique de frappe. Super, je suis en train de me faire bolos. En train de me faire bolos. Hop. Je fais attention pour pas qu'il m'absorbe le truc. Super, je suis en train de crever. Hop. Voilà. D'ailleurs, Link est où d'ailleurs? Link est là, ok. Link est là, on va plutôt prendre Link. Hein. Parce que là, ça me semble un peu compromis avec Impa là. Je peux pas passer. Oh les enflures. Ok c'est bon. Je peux passer quand même par là. Et j'ai eu un moment de flip. Hop. Ok d'accord. Le mec il a changé sa cible au dernier moment. Comment vous voulez que je comprenne? Par contre, le gardien est chaud, hein, il a éliminé. Hein. Hop. Super, toujours pas. Je sais pas quand ça va être, mais ça va être tendu. Hein. Super. Si tu pouvais sauter, ça serait pas mal. Hop.
Super. Oh, bordel. Ah, enfin. Il est costaud, le bordel. Hein. Il était costaud. Bon. Voilà, passé. La bataille royale. Nickel. On a tous passé deux niveaux. Voilà, Link ne peut pas transporter d'armes. Qu'est-ce que je peux virer? Je peux virer le bâton, hein, je pense. Hein. Ouais, je peux virer le bâton. Je peux virer... En vrai, je peux virer cette épée. Même si je l'ai augmentée, je peux la virer, je pense. Je peux virer, je pense, celle-ci aussi. Celle-là, voilà. Impa ne peut pas transporter davantage d'armes. Ok, bah on va faire ça, 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 voilà. Ok. Est-ce qu'on fait un niveau bonus? Un petit niveau? Parce que quand même, on a quand même pas mal pris quand même. On a fait ce niveau en lune de sang. Donc ce qui nous a pris quand même pas mal de temps. Ça nous a pris une vingtaine de minutes. Est-ce qu'on fait un petit niveau bonus? Voilà, on va faire un petit niveau bonus. Donc là ici, on a tout fait. Hein. Bon, on a tout fait. Donc niveau à 11. Défense de la vallée du géant. On va pas faire ça. À travers temps limité. En fait, il y a juste ça en fait à faire. On va faire à travers Ebra. Temps limité. Ennemis principaux. Ok. Bon, on va pas prendre Link. Hein. On va prendre Daruk. Ah non, on va prendre Roam. Roam. Ça me paraît pas mal, Roam. Est-ce qu'on peut pas changer d'arme? Parce que je change jamais, mais... En vrai, je pourrais changer. Hein. Genre là, c'est mieux. Hein. Voilà. C'est vrai que je pourrais augmenter aussi, mais bon. Ça coûte quand même vachement cher en rubis. Donc c'est pour ça que je fais pas. Je préfère attendre à avoir une arme spécifique. Donc à travers la chaîne d'Ebra. Voilà, je me fais bolo direct, merci. Hop. Mobline de glace, on va te prendre, hein, on va te prendre un petit flamme, ça te va toi? Voilà, une petite flamme, ça te va. Hein. Hop. Voilà, nickel. Rendez-vous au point de destination. C'est vrai que j'ai 5 minutes. Hein. J'ai pas fait gaffe, mais j'ai 5 minutes. Par contre, à chaque fois, je me fais à chaque fois bolos par ces souffleurs de. À la noix, hein, clairement, on peut dire. À la noix. Hein. Hop. Ah, bonjour. Vous êtes 3. Ah, vous êtes 3. On va bombarder alors. On va bombarder. Hein. Je suis mis en mode paysan là d'ailleurs. C'était intentionnel. Je suis mis en mode paysan. Est-ce que je continue? Oh, bon, on va faire ça. Voilà. Hop, 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 hop. Hop. Voilà, je fais ça. Hop. Voilà, est-ce que c'est bon? Ah non, il me manque encore un. Il me manque encore un. Il faut que j'aille là-bas. Mince. Planer, voilà. Il faut que j'aille là. Vous avez atteint le point de destination.
Ah, c'est tout? Ah, un Linel. Ok, super. Il venait le Linel. Bonjour le Linel. Bon. Voilà. Le Nilnel, il va rentrer chez lui aussi vite qu'il a popé. Voilà. Voilà. Hop, 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 hop. Et voilà. Nickel. On a terminé ce petit niveau bonus qu'on allait quand même faire parce que quand même il faut quand même faire un petit niveau bonus à chaque fois au moins même si on fait si on a fait un niveau bien complet avec la lune de sang. Donc il fallait quand même le faire. Et ensuite on va quand même checker là s'il n'y a pas des améliorations qu'on peut faire dans la plaine et secteur. Donc voilà. Ok, donc il y a deux niveaux qui viennent de pop. Ok, super. Est-ce que je peux pas améliorer ça? Si je peux améliorer Roam. Hop, voilà. Une puissance nouvelle. Nouveau coin pour Roam. Ok, nickel. Et on a un nouveau niveau. Nickel. Les habitants du centre vous ont fait un gratitude. Ok, nickel. C'est à quel niveau ici? Bon, c'est ici. Bon, on va faire celui-là du coup. Cœur max plus 2. Ok, nickel. Est-ce qu'il y a autre chose que je puis améliorer? C'est pas ouf. Hein. Ah si, il y a ça que je peux améliorer. Si, il y a ça que je peux améliorer. Je suis devenu plus fort. Ok, si donc qui augmente d'un cœur. Prenez la pause au moment d'une attaque. Ah, donc c'est pas un cœur du coup, c'est... Ah si, c'est un cœur. C'est un cœur, c'est un cœur, c'est un cœur. Si c'est un cœur. Bah là, ça me semble pas mal. Hein. Ça me semble pas mal. On a tout fait. Hein. Je recheck. Hein, mais. Ah si, là. Ici. Mon charme naturel a encore augmenté. Nouveau Koga. Oh, nouveau combo pour le Koga, ok. Et voilà. Bon bah on a tout fait du coup. J'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouvera donc pour l'épisode suivant pour continuer. Et voilà quoi. Sur ce, je vous laisse. Tchuss.